Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this A2 level podcast, I will talk about local and traditional food in France and French overseas territories, as well as new trends in cuisine. We will see how to express progression with more and more and less and less in French. We will practice the pronoun en. We will review the vocabulary for food and cooking and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. La gastronomie française est très variée et En métropole comme dans les Outre-mer, les spécialités locales sont très différentes selon les régions. Dans cet épisode, je vous propose une petite visite guidée des principales spécialités françaises. Où je vis, en Provence, c'est-à-dire dans le sud-est de la France, les plats les plus connus sont l'Aioli et la Bouillabaisse. Ce sont tous les deux des plats à base de poisson. En fait, l'aïoli est le nom d'une sauce à base d'ail et d'huile d'olive avec laquelle on mange des légumes et du poisson. Quant à la bouillabaisse, c'est une soupe de poisson et de coquillage qu'on mange généralement avec des croutons sur lesquels on étale une sauce appelée la rouille. Dans l'est de la France, et notamment dans les Alpes où il fait souvent très froid, les plats sont généralement très copieux et très gras. Les plats traditionnels sont la fondue, la tartiflette et la raclette. La fondue consiste à tremper des morceaux de pain dans un mélange de fromage et de vin blanc. Quant à la tartiflette, il s'agit d'un gratin de pommes de terre avec des lardons, des oignons et du fromage. Enfin, la raclette consiste à faire fondre du fromage sur des pommes de terre, des légumes et ou de la charcuterie. La choucroute, la quiche lorraine et la carbonade flamande sont des spécialités typiques du nord-est de la France. La choucroute est un plat à base de choux et de saucisse typique de l'Alsace, alors que la quiche lorraine, à base d'œufs, de crème fraîche et de lardons, est un plat typique de la Lorraine. Quant à la carbonade flamande, il s'agit de morceaux de viande de bœuf cuits dans de la bière avec des carottes et des oignons. La carbonate flamande est presque la même chose que le bœuf bourguignon. En fait, pour le bœuf bourguignon, on utilise du vin au lieu de la bière. Enfin, le cassoulet et le confit de canard sont des spécialités typiques du sud-ouest de la France. Comme souvent dans la cuisine française, ces plats sont très copieux et assez gras. Le cassoulet est un plat à base d'haricots blancs, de cuisses de canard et de porc. Quant au confit de canard, c'est mon plat préféré. Il s'agit de cuisses de canard cuites et conservées dans de la graisse. On les mange généralement avec des pommes de terre ou un gratin dauphinois. En fait, le sud-ouest est connu pour ses spécialités culinaires à base de canard, telles que le confit de canard, le magret de canard et le foie gras. Mais la France ne s'arrête pas à la métropole et la gastronomie des outre-mer est également d'une grande diversité. Commençons notre tour des Dromcom dans les Antilles. Et plus précisément en Guadeloupe et en Martinique. Une des spécialités de la Martinique, c'est les acras de poisson et de crevettes. Les acras sont des beignets frits qu'on mange généralement en entrée. Une autre spécialité martiniquaise est la sauce chien, une sauce à base de piment, d'oignon, d'herbes et de citron qu'on mange avec du poisson, des crustacés ou de la viande grillée. Quant à la Guadeloupe, une de ses spécialités est le poulet boucané. Il s'agit d'un poulet mariné, séché et enfumé, cuit à l'étuvé, généralement servi avec du riz. Et si on a encore faim, pourquoi ne pas déguster un tourment d'amour cette délicieuse tartelette à la noix de coco qu'on mange généralement en dessert Tout aussi dépaysante que la cuisine antillaise, la cuisine réunionnaise, c'est-à-dire la cuisine de l'île de la Réunion dans l'océan Indien, est un délice. Parmi les spécialités locales, il y a les caris. Les caries sont des plats à base de viande ou de poisson, de tomates, d'ail, d'oignons et d'un mélange d'épices qu'on mange généralement avec du riz. Parmi ces épices, il y a souvent de la poudre de piment rouge, du poivre, du gingembre et du curcuma. Une autre spécialité réunionnaise est le rougaï une sauce pimentée à base de fruits et de légumes qu'on mange avec du poisson ou de la viande. Comme le curry, le rougaï est une recette d'origine tamoule, c'est-à-dire d'origine indienne. Enfin, dans l'océan Pacifique, les cuisines de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française offrent d'autres exemples de cuisine atypique et succulente. Le bounia et les achars sont deux des spécialités de la Nouvelle-Calédonie. Le bounia consiste à faire cuire des ingrédients à l'étouffer dans des feuilles de bananier dans un four traditionnel. On peut le préparer avec différents types de viande ou de poisson et on le mange avec des patates douces et du lait de coco. Quant aux achars, ce sont des légumes macérés dans de l'huile et des épices qu'on mange en entrée ou en accompagnement d'un plat. Enfin, à Tahiti, en Polynésie française, la gastronomie est très influencée par la cuisine asiatique. Mais la grande spécialité de l'île c'est le poisson cru à la tahitienne. Il s'agit de poisson cuit dans du jus de citron et servi avec du lait de coco. À côté de ces cuisines locales et traditionnelles, il existe de nouvelles tendances culinaires. Parmi ces tendances, certaines cherchent à associer tradition et modernité. Ainsi, les légumes anciens tels que le panais, le topinambour et le pâtisson sont de plus en plus à la mode dans les restaurants. Aussi, la cuisine fusion est une cuisine qui consiste à mélanger différentes gastronomies de différents pays. La cuisine fusion est de plus en plus populaire et de plus en plus de chefs en proposent dans leurs restaurants. Et si vous aimez les fleurs, pourquoi ne pas en manger Là encore, manger des fleurs comme des tulipes, des roses ou des violettes est une pratique ancienne qui revient à la mode, surtout dans les salades. C'est beau et c'est bon. Enfin, pour les écolos, c'est-à-dire les personnes qui font attention à l'environnement, il existe le trash cooking, une cuisine qui permet de gaspiller de moins en moins en cuisinant les restes. Les restes, c'est ce qu'on n'a pas fini de manger la veille ou les aliments qu'il reste dans le frigo. Cuisiner avec les restes, ça permet de faire des économies et ça stimule la créativité. Okay, let's try to translate this in English now. La gastronomie française est très variée. French gastronomy is very varied. La gastronomie, gastronomy, refers to cooking as an art. Être varié means to be varied. Et and En métropole comme dans les Outre-mer, in mainland France just like in French overseas territories, les spécialités locales, the local specialties, sont très différentes, are very different, selon les régions, depending on the region. So, la métropole, refers to metropolitan France, which is mainland France, France on the European continent. And les Outre-mer, like the overseas, refers to French overseas territories. Yeah, we will speak more about this later, but we usually speak about la métropole et les Outre-mer. Mainland France and France outside Europe. Selon means according to or depending on. Here, selon les régions means depending on the region. Dans cet épisode, in this episode, je vous propose. So this means something like I offer you or I invite you to do. Une petite visite guidée, a little guided tour, des principales spécialités françaises, of the main French specialties. Où je vis, where I live, en Provence, in Provence, c'est-à-dire dans le sud-est de la France, that is to say in the southeast of France, les plats les plus connus, the most famous dishes, sont l'ayoli et la bouillabaisse. Or, the Aioli and the bouillabaisse? Ce sont tous les deux. They are both. Tous les deux means both. Des plats à base de poisson. Dishes made from Fish. à base de means made from en fait actually l'aioli est le nom d'une sauce à base d'ail et d'huile d'olive the aioli is the name of a sauce made from garlic ail is garlic and olive oil huile d'olive a base d'ail et d'huile d'olive literally means made from garlic and from olive oil. Avec laquelle with which? Avec laquelle on mange des légumes et du poisson. With which one eats or people eat vegetables and fish. Quant à la bouillabaisse, as fond bouillabaisse, c'est une soupe de poisson et de coquillage. It is a soup of fish and shellfish. It's like a fish and shellfish soup, but in French, we have to say a soup of fish and of shellfish. Qu'on mange généralement, that one or people. usually eat, yeah, adverb after the verb. So if in English I say people usually eat, in French I have to say people eat usually. Yeah. So it's a soup that people usually eat. C'est une soupe qu'on mange généralement. Usually, généralement. Avec des croutons with Croutons, uh, croutons are bits of bread which are very crusty, sur lesquels on which on étale une sauce we spread, or people spread, one spreads a sauce, une sauce appelée la rouille, a sauce called the rouille. Dans l'est de la France, In the east of France, yeah, in eastern France. Et notamment dans les Alpes. And especially in the Alps. Yeah. Notamment means especially. Où il fait souvent très froid. Where it is often very cold. So be careful to speak about the weather with an adjective. We don't say Il est, we say, il fait. Il fait froid, it is cold, speaking about the weather. Il fait chaud, it is hot or warm, speaking about the weather. Les plats sont généralement très copieux. Meals or dishes are usually very generous. Un plat copieux is a generous meal, like something very feeling. Et très gras, aren't very fatty. Les plats traditionnels, traditional dishes, sont la fondue, la tartiflette et la raclette. Or the fondue, which is hot pot, the tartiflette, which is a potato gratin, and the raclette. La fondue consiste à, hot pot consists in, tremper des morceaux de pain, dipping bits of bread, dans un mélange de fromage et de vin blanc. In a mixture of cheeses and white wine tremper is to dip tremper du pain dans le café to dip bread in the coffee tremper des morceaux de pain dans un mélange de fromage to dip bits of bread in a mixture hein, un mélange a mixture de fromage of cheeses like different kinds of cheese Quant à la tartiflette, as for the tartiflette, il s'agit de, it is about or it is, il s'agit d'un gratin de pommes de terre, it is a potato gratin, avec des lardons, with bacon strips. Les lardons are like uh, little bits of bacon like strips of bacon, des oignons et du fromage. Onions and cheese. Enfin, lastly, la raclette consiste à faire fondre du fromage. The raclette consists in melting cheese. Faire fondre, it's like to make melt. Faire fondre du fromage, To make cheese melt, you know, like melting cheese. Sur des pommes de terre. On potatoes, des légumes, vegetables, et ou de la charcuterie. And or cold meats. La charcuterie refers to meat which is already cooked or transformed and that is eaten cold. La choucroute, la quiche lorraine et la carbonade flamande sont des spécialités typiques du nord-est de la France. Sauerkraut, the quiche and the Flemish carbonade are typical specialties from the northeast of France. La choucroute est un plat à base de chou et de saucisses The sauerkraut is a dish made from cabbage and sausages typique de l'Alsace. Typical from Alsace. Alors que la quiche Lorraine, whereas the quiche à base de made from eggs, de crème fraîche et de lardon, Creme fresh and bacon strips, est un plat typique de la Lorraine. Is a typical dish from Lorraine. Quant à la carbonade flamande, as for the Flemish carbonade, il s'agit de. It is about or it is. Il s'agit de morceaux de viande de bœuf. It is Pieces of beef. Cuit dans de la bière. Cooked in beer. Avec des carottes et des oignons. With carrots and onions. La carbonade flamande est presque la même chose The Flemish carbonade is nearly the same thing que le bœuf bourguignon as beef bourguignon En fait actually pour le bœuf bourguignon for the beef bourguignon on utilise du vin they use or people use one uses wine au lieu de la bière instead of beer Enfin lastly le cassoulet et le confit de canard, cassoulet and confit of duck, sont des spécialités typiques du sud-ouest de la France. En typical specialties from the south-west of France. Comme souvent dans la cuisine française, as often or as it is often the case in the French cuisine. Ces plats sont très copieux et assez gras. These dishes are very generous and quite fatty. Le cassoulet est un plat à base d'haricots blancs. The cassoulet is a dish made from haricot beans. In French we say white beans. De cuisses de canard Duck legs et de porc and pork. Quant au confit de canard, as for the confit of duck, c'est mon plat préféré. It is my favorite dish. Il s'agit de cuisses de canard. It is duck legs, cuite et conservée dans de la graisse. Cooked and preserved in fat. On les mange généralement avec des pommes de terre. So here again, I'm saying in French that one usually eats or people usually eat them with potatoes. But in English, it's quite common to use a passive. Maybe we could say um, that it is usually eaten with potatoes. Yeah. Ou un gratin dauphinois, or a gratin dauphinois, or dauphinois potatoes. En fait, actually, le sud-ouest est connu pour ses spécialités culinaires. The southwest, meaning the southwestern part of France, is famous or well known for its culinary specialties à base de canard, made from duck, tel que, such as, tel que le confit de canard, le magret de canard et le foie gras. Such as confit of duck, duck breast fillet, yeah, magret de canard, fillet of duck breast, and foie gras. Mais la France ne s'arrête pas à la métropole. But France doesn't stop at metropolitan France, meaning France in Europe. Et la gastronomie des outre-mer. And the gastronomy of the overseas territories. Est également d'une grande diversité. Is also a literally Of a great diversity. Commençons notre tour des drumcom dans les Antilles. So the drumcom uh, replaced uh, what we used to call Dum Tom, and it's the real name we use to speak about uh, French uh, overseas territories. Yeah? drum drumcom uh, literally it means. Um, departments and regions of overseas and uh, collectivities of overseas. So drum com refers to French overseas, departments, regions and uh, collectivities. Yeah? So uh, these uh, are different status of those islands in uh, the Atlantic, the Pacific and the Indian Oceans. Some of them are departments, some of them are regions, and some of them are collectivities. So, commençons notre tour des drumcom. Let's start our tour of French overseas territories. Yeah, let's uh, keep it simple. Dans les Antilles. In the West Indies. Yeah, les Antilles. The West Indies. Et plus précisément, And more precisely en Guadeloupe et en Martinique. In Guadeloupe and Martinique. Une des spécialités de la Martinique, one of the specialties from Martinique or off Martinique, c'est les accras de poisson et de crevettes. It is, or that is, accras of Fish and shrimps. Les accras sont des beignets frits. Accras are fried donuts qu'on mange généralement en entrée. That's are eaten or that one eats, that people eat, usually as a starter. En entrée means as a starter. So, les accras sont des beignets frits qu'on mange généralement en entrée. Acros are fried donuts that are usually eaten as a starter. Une autre spécialité martiniquaise est la sauce chien. Another specialty from Martinique is the sauce chien. Literally, the dog sauce. Martiniquaise is the adjective for Martinique. Une sauce à base de piment, a sauce made from chili, le piment, chili, d'oignons, onions, d'herbes, herbs et de citron and lemon. Qu'on mange avec du poisson? That is eaten with fish, des crustacés, shellfish ou de la viande grillée, or grilled meat. Quant à la Guadeloupe, as for Guadeloupe, une de ses spécialités est le poulet boucané. One of its specialties is the poulet boucané, or boucané chicken. Il s'agit d'un poulet mariné. It is a marinated chicken. Séché et enfumé. Dried and smoked. Cuit à l'étuvée. Steamed. Généralement servi avec du riz. Usually served with rice or with some rice. Et si on a encore faim And if one is still hungry, or and if you are still hungry, pourquoi ne pas déguster un tourment d'amour? Why not having or tasting un tourment d'amour? Cette délicieuse tartelette à la noix de coco, that delicious coconut tartelette, qu'on mange généralement en dessert. That is usually eaten as a dessert. En dessert means as a dessert. Tout aussi dépaysante que la cuisine antillaise. Just as unfamiliar or different as the cuisine from the West Indies. La cuisine réunionnaise The cuisine from the Reunion Island. Réunionnaise is the adjective of réunion. C'est-à-dire la cuisine de l'île de la Réunion. Meaning the cuisine from the Reunion Island. Dans l'océan Indien. In the Indian Ocean. Est un délice. Is a delight. Parmi les spécialités locales, Among the local specialties, il y a les caris There are the curries. Les caris sont des plats à base de viande ou de poisson. Curries are meals or dishes made from meat or fish. De tomates, d'ail, d'oignons. Tomates, garlic, onions et d'un mélange d'épices, and a mixture of spices, qu'on mange généralement avec du riz. That are usually eaten with rice. Parmi ces épices, among those spices, il y a souvent de la poudre de piment rouge. There are often red chili powder, du poivre, pepper, du gingembre, ginger, et du curcuma, and turmeric. Une autre spécialité réunionnaise, another specialty from the Reunion Island, et le rougail, Is the rougaille une sauce pimentée, a chili sauce, à base de fruits et de légumes, made from fruits and vegetables, qu'on mange avec du poisson ou de la viande, that is eaten with fish or meat. comme le curry, as for the curry, le rugai est une recette d'origine tamoule. The rugai is a recipe of a Tamil origin. C'est-à-dire d'origine indienne. That is to say of an Indian origin. Enfin, lastly, dans l'océan Pacifique, in the Pacific Ocean, les cuisines de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. The cuisines from New Caledonia and French Polynesia offer d'autres exemples de cuisine atypique et succulente. Offer other examples of unfamiliar and delicious cuisine. Le Bunia et les achards sont deux des spécialités de la Nouvelle-Calédonie. The bunya and the achar are two specialties from New Caledonia. So here in French, I didn't say deux spécialités, which would be like two specialties. I said deux des spécialités, meaning something like two specialties among others. Yeah. Literally, it means two from the specialties or two of the specialties of New Caledonia. So this implies that there are many other specialties, but I'm just mentioning two of them. Bunya and asha sont deux des spécialités de la Nouvelle-Calédonie. They are two of the specialties of New Caledonia. Le Bounia consists à faire cuire des ingrédients à l'étouffer the bouillon consists in steaming ingredients faire cuire à l'étouffer is like to steam dans des feuilles de bananier in banana leaves dans un four traditionnel in a traditional oven en four is an oven. And we don't have a verb to say to bake in French. If you want to say to bake, you have to say to cook in the oven. Cuire au four. On peut le préparer. It can be prepared Avec different types of viande ou de poisson with different types of meat or fish. et on le mange and it is eaten avec des patates douces with sweet potatoes et du lait de coco and coconut milk quant aux achars as for the achars ce sont des légumes macérés dans de l'huile they are vegetables macerated in oil et des épices, and spices, macéré dans de l'huile et des épices, macerated in oil and spices, qu'on mange en entrée, that are eaten as a starter, ou en accompagnement d'un plat, or as a side dish. So un plat d'accompagnement. is a side dish. Here I'm saying en accompagnement d'un plat. Literally, it means as a complement of a dish. So that means as a side dish. En accompagnement d'un plat. Enfin, lastly, à Tahiti, in Tahiti, en Polynésie française, in French Polynesia, la gastronomie est très influencée par la cuisine asiatique. the gastronomy is very influenced by asian cuisine. mais la grande spécialité de l'île, but the great specialty of the island, c'est le poisson cru à la tahitienne. it is the tahitian raw fish. So here I said poisson cru, raw fish, à la tahitienne. So when we have something like à la plus the adjective of a name of place, it means that it's basically cooked or prepared the way of that place. You know? So if you say à la française. It means the French way. On cooked, on prepared the French way. Il s'agit de poisson cuit dans du jus de citron. It is fish cooked in lemon juice. Et servi avec du lait de coco. And served with coconut milk. À côté de ces cuisines locales et traditionnelles. Next to those local and traditional cuisines, il existe de nouvelles tendances culinaires. There exist new trends in cuisine, or there exist new culinary trends. Parmi ces tendances, among those trends, certaines cherchent à associer tradition et modernité. Some are seeking to associate tradition and modernity. Ainsi, that way, les légumes anciens tels que le panais, ancient vegetables such as parsnip, le topinambour et le pâtisson, the Jerusalem artichoke and the patty pan sont de plus en plus à la mode dans les restaurants. or more and more fashionable in restaurants. de plus en plus means more and more. I can add then an adjective. Here I'm saying à la mode, which means um, fashionable or trendy. de plus en plus à la mode mon and more fashionable aussi on sait la cuisine fusion est une cuisine qui consiste à mélanger différentes gastronomies de différents pays fusion cuisine is a cuisine that consists in mixing together en hein, mélanger to mix together différentes gastronomies Different gastronomies, different cuisines, de différents pays, from or of different countries. La cuisine fusion, fusion cuisine, est de plus en plus populaire, is more and more popular or famous, et de plus en plus de chefs, and more and more chefs, Now yeah, be careful here. I'm saying more and more plus a noun, so I'm adding de the preposition de to introduce the noun. De plus en plus de something. Here I'm saying de plus en plus de chefs. It's like more and more of chefs. More and more chefs. En propose dans leur restaurant. Offer it in their restaurant. So here to say it, I'm using the pronoun en. En is the pronoun you need to use whenever you want to replace a noun in object position, which is introduced by du, de la, des. So let's try to clarify this. Here I want to say that more and more chefs offer fusion cuisine. In their restaurant. In French, I want to use uh, the verb proposer. Proposer, it's always proposer de something. Proposer de quelque chose. Proposer de la cuisine fusion. So, instead of saying de plus en plus de chefs proposent de la cuisine fusion dans leur restaurant, Because I don't want to repeat again and again la cuisine fusion. I'm going to replace de la cuisine fusion by en. And the reason why I'm using en to replace fusion cuisine is because uh, fusion cuisine in French is introduced by de la. En is replacing here de la cuisine fusion so if we take an, an easier example you know, there is a difference in french if you say i eat the chicken and i eat some chicken je mange le poulet je mange du poulet because if you want to replace le poulet and du poulet we are not going to use the same pronoun Je mange le poulet becomes je le mange. Je mange du poulet is going to become j'en mange. Je en mange. En means du poulet. I'm using the pronoun en because poulet in the original sentence is introduced by du. So one last time, de plus en plus de chefs en propose dans le restaurant, en means de la cuisine fusion. Moi et mon chef offre it, the fusion cuisine, in their restaurant. Et si vous aimez les fleurs? And if you like flowers, pourquoi ne pas en manger? Why not to eat them? Or literally, why not to eat some? Here again, I'm using the pronoun en, because manger des fleurs, to eat flowers, to eat some flowers. Yeah? In French, I'm saying des fleurs. So because fleurs, flowers, is introduced by des, I'm going to replace it by the pronoun en, en manger. So pourquoi ne pas manger des fleurs? becomes, pourquoi ne pas en manger? Hmm? En means des fleurs. So remember that whenever the object is introduced by du, de la, des, if you want to replace that object by a pronoun to avoid repetitions, for example, that pronoun has to be en. And as always, the object pronoun comes before the verb en manger to eat some. Here NE PAS comes before the verb as a block because the verb is an infinitive. Yeah? When the verb is infinitive, NE PAS comes as a block in front of the verb. NE PAS EN MANGER, not to eat some. Pourquoi NE PAS EN MANGER? Why not to eat some? Là encore, here again. Manger des fleurs comme des tulipes, eating flowers such as tulips, des roses, roses, ou des violettes, or violettes, est une pratique ancienne, is an ancient practice, qui revient à la mode. That is fashionable again. Revenir à la mode, Literally, it means to come back in fashion, to be fashionable again. Surtout dans les salades. Especially in salads. C'est beau. It's beautiful. Et c'est bon. And it's good. Enfin, lastly, pour les écolos, font eco-friendly people. C'est-à-dire les personnes qui font attention à l'environnement. That is to say, or meaning people who care about the environment. Faire attention à quelque chose means to care about something. Il existe le trash cooking. There exists or there is the trash cooking. Une cuisine qui permet de gaspiller de moins en moins A cuisine that allows people to waste less and less. De moins en moins, less and less. Here it's about a verb. To waste less and less. Gaspiller de moins en moins. En cuisinant les restes. By cooking the leftovers. Les restes refers to leftovers. En Cuisinant means by cooking. Les restes, leftovers. C'est ce qu'on n'a pas fini de manger la veille. That's what we didn't finish eating on the previous day. Ou les aliments qu'il reste dans le frigo. Or food that we have left in the fridge. So here we have an interesting structure. Il reste quelque chose means there is something left. Literally, it means something is remaining. You know, there is something left. So, if you want to say uh, there is chicken left in the fridge, in French, we are going to say il reste du poulet dans le frigo. Cuisiner avec les restes. Cooking with leftovers. Ça permet de faire des économies. It allows people to save money or to do some savings. Faire des économies is to save money. Et ça stimule la créativité. And it stimulates creativity. Okay, that's all for this podcast. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.